il faut que j'aille regarder. Pour comprendre la structure qu'il y a dans cette liste, ça va me prendre déjà pas mal de temps de comprendre qu'il y a plusieurs communautés là-dedans. Et si moi, j'ai des réponses de biologie et des réponses de nucléaire et que je m'intéresse à la biologie, il faut que j'aille voir chacune de... que j'aille inspecter chacun des éléments de cette liste pour comprendre ce qui se passe. Si jamais on interroge avec Silex, eh ben, on a la même liste, bon, qui n'est pas présentée de la même manière, parce que notre présentation, ce n'est pas exactement la même chose, mais on a la même liste. Mais là, on voit qu'il y a sciences appliquées, technologie, médecine, sciences exactes, technologie, terre, océan, espace, etc. Donc si je clique là-dessus, je vais avoir tous les articles qui sont dans ce cluster-là, qui vont remonter. Donc si j'ai identifié un bon cluster et que le cluster est bon, ça va me permettre de pouvoir... Un, comprendre que ce qui parle de radar, eh ben, apparemment, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 clusters, avec ces deux clusters qui sont les plus importants. Et si j'identifie que c'est ce cluster-là, par exemple, eh ben, je peux aller chercher dans ce cluster-là. Non seulement ça me dit ça, mais ça me donne aussi, dans les labels qui sont là, qui sont extraits de c'est des mots du titre, des mots du texte, ou des mots qui sont dans les métadonnées, ça peut me permettre de me donner une idée pour enrichir ma requête là, à partir de certains labels qui sont là, qui identifient le cluster. Donc ça me permet de dire, oui, mais je peux rajouter un mot dans ma requête pour cibler plutôt ça. Alors, ça, c'est une façon de le présenter. Une autre façon de le présenter, ça serait ça. Ça, ce sont les documents que m'a renvoyé la requête de Istex, qui était en liste. Ça, ce sont toutes les métadonnées qui étaient attribuées à chacun des documents. Si je fais ça, bah, je m'aperçois que cette métadonnée, c'est le mot tandem, c'est un keyword, et qu'il est sur cette donnée est associée à ces deux documents-là. Et ce qui fait que deux documents vont être rapprochés, c'est qu'ils partagent beaucoup de ces données qui sont là. Plus deux documents partagent un grand nombre des données qui sont associées aux documents, plus on va les rapprocher. Ça peut être des mots-clés, des auteurs, des revues, des WOS, etc. Ce qui me permet de dire, bah là, j'ai un cluster, c'est le même. C'est une autre façon de présenter que tout à l'heure. Hein. Sauf que là, on le voit plus structurellement. Et donc, pour que ça marche, pour que ce rapprochement marche, si on ne me donnait pas ces données-là qui étaient associées à Istex et à l'API Istex, eh ben, je ne pourrais pas rapprocher, construire ces clusters-là. La façon de construire les clusters de documents-là est complètement dépendante de la qualité des choses qui sont là. Or, ces choses-là, on ne les a pas eues tout de suite. Au début, il n'y avait pas la biblio. Et vous avez vu ce qu'a fait l'INIST ce matin, qui ont présenté qu'ils ont enrichi les données. Ben, nous, on se retrouve avec des données enrichies là. Et on est très intéressé, évidemment, par tout. Les enrichissements de données qu'on peut mettre parce que ça augmente la qualité des clusters qui sont ici. C'est pour ça que je disais ce matin qu'on était intéressé par les rêves biblio, notamment entrantes. Pour, évidemment, il est sûr que quand deux articles sont cités par des mêmes autres articles, on a envie de les rapprocher. On a envie de dire que oui, ils parlent de la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on était intéressé pour les avoir. Ça nous permettrait d'augmenter la qualité des cluster. Combien de temps il me reste? 10 minutes. 10 minutes Oui, 10 minutes, on a commencé en retard. J'ai couru pour rien alors. Bon, alors, du coup, je vais vous montrer. Alors, si on est un chercheur et qu'on a besoin de tel article, qu'on a vu une ref, on n'a pas besoin de Silex pour trouver son article, en général Google ou n'importe quel moteur qui fait en liste en général, on va le trouver facilement l'article. Ici, il est dans la base dans laquelle on cherche. Une présentation en liste suffit pour nous qu'on atteigne, enfin en général, moi je l'atteins. Quand je cherche un article, je le trouve assez facilement. Par contre, si, comme tu disais, je suis quelqu'un qui voudrait savoir sur quoi travaille l'IRIT, qu'est-ce qu'ils produisent, ou des choses comme ça, ou des choses qui sont moins précises, je veux faire de la veille scientifique, ou je veux essayer de voir comment tel concept ou tel mot se propage dans une discipline et puis influence l'autre discipline par interdisciplinarité, ou des choses comme ça,
Là, avoir des choses comme ça, c'est très difficile à comprendre ce qui se passe. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est donc l'outil Silex est fait pour essayer de répondre à comment se structure cette botte de foin dans laquelle je cherche quelque chose. Alors, je cherche quoi ? C'est clair que... Alors, je vais mettre ça ici. Alors, ici, ça, c'est toutes les informations qui sont là, c'est le côté interrogation ISTEX. C'est-à-dire qu'on veut qu'il nous renvoie que des articles qui ont un résumé ou qui ont des auteurs, parce qu'il y a des articles qui n'ont pas d'auteur, pas de résumé. Donc, nous, pour travailler, on a besoin d'avoir de l'information. Donc, on dit... Pour évaluer nos méthodes, donne-nous que ceux qui ont des Word of Science, etc. Donc, il fait un tri. Ça, c'est le coup des facettes qu'il y a sur l'API ISTEX actuellement. Donc, ça, on peut faire un tri parmi les documents qui seront renvoyés. Je passe sur tout ça. On peut nous-mêmes calculer des mots-clés à partir des titres et des résumés. En plus de ceux qui nous sont renvoyés par ISTEX. Alors, on peut demander de le faire ou pas le faire. On peut demander de ne pas le faire, par exemple. Parce que c'est un peu plus long, ça augmente le temps de calcul quand on fait ça. Et alors, c'est là que je voulais en venir. C'est pas là. C'est là, voilà. Donc, weight of for category was edge. Donc, vous voyez, ici, chaque fois qu'on a une métadonnée qui est d'un type, on a les keywords, on a les mots rajoutés par l'iniste, on a les auteurs, on a l'affiliation de l'auteur, etc. Toutes ces choses sont là. D'accord ? Il est clair que suivant le type de recherche que je veux faire, si je veux faire une recherche sur un auteur, qu'est-ce qu'il produit ? Ou sur un labo, qu'est-ce qu'il produit ? Ou sur un concept, qu'est-ce qu'il fait ? Il est clair que, suivant le poids que je vais mettre sur ces arêtes, qui sur les arêtes-là, ça ne va pas construire les mêmes clusters. Donc, selon mon point de vue, le type de recherche que je veux faire, je vais donc dire, par exemple, je ne m'intéresse pas du tout aux auteurs, je m'intéresse qu'aux labos, ou je m'intéresse qu'aux mots, mais pas aux auteurs, ou je peux faire des combinaisons en mettant des poids là-dessus, qui va, en gros, ces poids-là, ça va me déterminer... Quel est le type de structure que je recherche ? Est-ce que le type de structure s'intéresse aux humains ? Est-ce qu'ils ont publié ensemble ? Ou aux mots ? Ou que aux humains et aux mots ? Ou aux choses comme ça ? Donc on se fait son profil. Et alors évidemment, si on demande ça d'entrée aux gens, ça va être pénible. Donc on va faire plusieurs profils. Profil recherche d'un labo, profil recherche d'une personne, profil recherche d'un concept, voir comment ça structure. Donc il y en aura par défaut. On cliquera et ça vous donnera ici un ensemble de poids qui correspondent à ce type de recherche-là. Et si vous voulez affiner, parce que vous avez une volonté particulière de faire de nos recherches, vous pouvez vous-même être libre de changer ces poids-là. C'est ce que j'avais le plus important à dire par rapport à cet outil-là. Alors, quand je vous montre ça, là, c'est pareil, ici, il y a plein de façons d'avoir des... On peut le représenter de plein de manières, comme ça... C'est la même donnée, mais visualisée d'une autre manière, suivant ce qu'on veut faire ressortir ou suivant ce qu'on veut faire ressortir. Il y en a plein. On en a développé plein. Il y en a des classiques. Et puis, il y en a qu'on a adapté aux besoins d'ISTEX parce que ce sont des graphes particuliers qui sont des bigraphes. Donc, vous pouvez demander celle-là. Celle-là, c'est une classique. Ce n'est pas la nôtre. C'est celle qui a été... On voit que ce n'est pas très lisible, là. Alors qu'on ne voit pas trop le rapport entre les clusters. Donc, je peux cliquer sur un sommet. J'ai le titre, j'ai l'abstract, j'ai plein d'informations, j'ai les auteurs qui sont cités, j'ai etc. Tout ce qui concerne ce document-là, où je peux cliquer sur un sommet. Et ça va me dire que là, c'est un keyword, mais ça peut être autre chose, des mots-clés rajoutés par l'iniste ou des auteurs, etc. Je vois le type de choses que c'est. Donc je reviens à ça qui est à mon avis le plus simple pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà. En sachant à chaque fois que les clusters qui vont être construits là, évidemment, vont être dépendants des poids que vous avez mis sur les arêtes pour cibler le type de recherche que vous voulez faire. Alors, quand je vous parlais de livraison... Nous, on a on avait vu, je ne sais pas, il y a 2-3 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'a commencé le projet,
C'était le projet, c'était oui, chaque université deal avec chaque éditeur, et puis chaque université paye. On voudrait regrouper pour que les gens, pour que ce soit la France qui deal avec chaque éditeur qui paye moins cher, et qu'on offre un service de recherche unifié pour toutes les universités. J'avais compris ça, moi. Et je me suis trompé ou pas? Parce que là, je n'ai pas trop vu que ça allait peut-être servir à ça. Donc nous, on s'est dit, moi j'ai déjà fait partie d'un projet du même genre qui s'appelait Quaero. On a bossé comme des malades et ça a servi à rien. C'est resté, ça a fait des articles et puis le projet Quaero. Et nous, on avait des logiciels dont on s'est dit, mais quand même, c'est un peu dommage que la recherche française investisse et que ça ne sert pas. Donc on a vraiment travaillé pour Istex, on a vraiment travaillé dans le mode pas que recherche, dans le mode production. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, c'est il y a tous les codes sources qui sont sur Git, sur notre Git à nous, mais on les mettra en Git public. C'est documenté avec, c'est documenté à la pro avec les schémas, les codes, les références, tout. C'est-à-dire que ce qu'on vous livre, soit vous pouvez l'implémenter sur votre plateforme, soit on peut l'implémenter sur une autre plateforme. Puisqu'on interroge l'API Istex, c'est pas un problème, comme ça tourne actuellement en démo. Mais notre souhait, alors notre souhait, c'est pas tout à fait terminé. On a encore, par exemple, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on intègre cette vue-là, qui n'est pas encore intégrée dans le moteur qui est en ligne. C'est juste au niveau du travail. Donc il va falloir encore faire de la tuyauterie pour pouvoir intégrer les deux façons de présenter, soit des clusters avec des labels, soit avec des graphes. Mais ce qu'on aimerait, nous, puisque tu m'as dit qu'on pouvait donner des requêtes, ce qu'on aimerait, c'est que, vu qu'on a travaillé, et ça nous a demandé du boulot en plus, ça, mais vraiment pas un peu de boulot, beaucoup de boulot en plus, c'est-à-dire qu'on est en mode prod. C'est pas qu'un travail de recherche qui ça tourne ici, c'est-à-dire que ça peut tourner là, pas tout de suite, on a encore du travail dessus à faire pour que ce soit vraiment en prod, mais s'il y avait un petit icône ici, avec bienvenue sur le démonstrateur Istex. Si vous voulez utiliser Codex, vous cliquez ici, et plutôt que d'avoir les choses telles qu'elles sont faites là et qui sont très bien, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez avoir ces visualisations-là ou ces méthodes-là. Parce que si ce n'est pas ça, tout ce qu'on aura fait, ça servira pas beaucoup, quoi. Si ça va vraiment dans les universités et qu'il y a du retour, nous on pensait aussi que dans ces données-là qui sont là, ça peut être aussi le résultat de Foxonomy. Chaque utilisateur dit bah moi je tag, et évidemment là ça serait pas fait par ordinateur, ça serait fait par des humains, des spécialistes de chacun de son domaine qui amènent les mots. Alors évidemment, si on fait ça, la qualité des choses qui seront ici seront bien meilleurs, donc la qualité des clusters qui seront là seront encore bien meilleures. Donc il y a de l'amélioration à faire, mais je tenais à dire que c'était vraiment en mode prod et que ça peut tourner, que ça peut servir vraiment aux gens qui veulent. Est-ce que tu as fait des essais précisément sur un établissement, un financeur ou un labo pour voir ce que ça apporte? Là, ça amplifie là, oui. On s'était engagé à faire un système d'évaluation. Donc on a fait un système d'évaluation. Je ne voulais pas montrer là, mais sur le moteur, vous pouvez faire une requête, l'enregistrer, analyser les clusters, les enregistrer et noter les clusters et voir. Nous, on l'a fait pour nous, pour voir s'il n'y avait pas de rétroaction, c'est-à-dire que quand on modifiait quelque chose pour améliorer une des dimensions, qu'on ne cassait pas l'autre, quoi. Donc on a un système d'évaluation. Le problème, c'est quand on l'a fait tourner, c'est chronophage de faire une évaluation. Tu fais une requête, tu fais par exemple celle, tu tombes sur des trucs de médecine, un truc que moi personnellement, je domine pas. C'est pas ma partie. Et d'évaluer la qualité d'un cluster, t'as envie de dire, il va où ce document? Et en plus, t'es pas la spécialiste, c'est difficile. On a l'outil pour évaluer, on a évalué, mais alors c'est évalué par nous, qui ne sommes pas spécialistes des domaines qu'on a, qui sont disponibles justement dans la collection Istex. Et ensuite,
Donc on n'est pas spécialiste, on est ceux qui avons fait le moteur, on n'est pas spécialiste de ce qu'on évalue. Donc nos évaluations, on trouve des clusters qui sont assez pertinents. On a ça dépend des requêtes, mais on a une moyenne de S-score de 90%. Mais ça nous paraît un peu trop fort pour... D'abord, c'est nous qui le faisons. Et on n'est pas objectif, vu qu'on analyse le cluster selon presque comment on les pense, nous. Donc, il y a un outil d'évaluation, mais on pense que ça devrait être fait par des spécialistes. Est-ce qu'il y a la possibilité d'itérer le processus? C'est-à-dire, tu as un premier niveau de cluster. Est-ce que tu peux recommencer sur... Tu sélectionnes un cluster et tu essayes de voir ce qu'il y a dedans. Non seulement ça, mais si on clique sur un cluster... Ça veut dire, c'est comme si je rajoutais des informations à la requête en disant d'après les labels justement qui sont dans le cluster, ça tu peux zoomer sur un cluster. Oui, c'est complètement itératif, tu peux raffiner. Mais en plus, tu peux aussi cliquer sur un sommet et dire je veux cet article qui me plaît et je veux ce qui me ressemble. C'est-à-dire que tu peux zoomer sur un cluster ou sur un seul document. Et tu as deux façons de faire. Soit tu réinterroges l'API, soit tu dis, moi, j'ai construit des graphes à partir de la base de données, par exemple un graphe de documents où il y a des liens entre ce site, d'accord? Et je vais à l'intérieur de ce graphe dire, comme il a désigné ce document, je vais aller faire un zoom, en gros, sur ceux qui le citent, et voir s'il n'y a pas des documents qui seraient dans cet environnement-là topologique, on va dire, pour les extraire et te les donner à voir. D'accord. Mais ça, c'est pas en passant par l'API, c'est en passant sur les données qu'on aura construites à partir de la base globale pour extraire des sous-graphes, pour extraire des graphes d'auteurs ou des graphes de documents, etc., qui seront spéciaux pour CX, de manière à enrichir les résultats que renverrait l'API avec ce type de données-là, qui permet justement de zoomer sur des zones particulières sans passer par le moteur Istex lui-même, l'enrichissement Est-ce que tu as discuté avec l'équipe qui gère la plateforme ici pour essayer de mesurer l'effort qu'il faudrait faire? Est-ce que ça serait possible pour intégrer ça en natif sur la plateforme? La réponse en plusieurs temps. Hein. La réponse immédiate qu'on pourrait faire, c'est que effectivement, c'est une vraie belle application qui mériterait d'être montrée, popularisée, tout ça, j'en suis tout à fait conscient. Donc la première idée assez immédiate, ce serait dans le Bordeaux qui est en haut, dans tous les sites, je ne sais pas si tu as vu, qui va vers démo, vers blog, machin, rajouter effectivement un bouton qui irait vers le site que tu as montré. Tu peux retourner sur le site Istex, ça sera peut-être plus parlant. Tu vois, tu as API, tu as extension, tu as widget, tu as status, tu as blog. Bon, on pourrait rajouter Silex ou quelque chose de ce genre-là. Et ça continuerait à faire le lien vers votre applicatif. Dans un deuxième temps, cet applicatif-là, il pourrait être porté sur les serveurs qui ont été achetés dans le cadre de Istex pour les chantiers d'usage et pour effectivement porter les applications qui sont en cours de développement. Et ça nécessite effectivement un peu plus de boulot. Donc on peut faire les choses en deux temps. Si on veut faire les choses rapidement, on peut le faire assez rapidement à travers la première solution. La deuxième nécessitera un peu plus de temps. Là, c'est pour la première question. La deuxième question, c'était est-ce qu'on pourrait intégrer d'autres vos enrichissements qui viennent d'autres équipes de chantier d'usage, par exemple, les vôtres. Eux, ils ont terminé un beau travail, en tout cas, qui nous intéresse vraiment beaucoup, qu'on avait pensé à faire nous-mêmes. Faire le graphe en gros, document, je vais passer un lien entre le document si l'un cite l'autre. Ça, pour comprendre la structure du cluster de documents, c'est très intéressant. Donc, est-ce que vous pourriez, c'est une question peut-être un peu de dalle ou d'aïe, prendre leur travail et le mettre dans vos enrichissements Istex qui seraient dans les métadonnées qui renvoient la paix. Je ne peux pas répondre comme ça immédiatement, mais sans que... On,
On pourra peut-être répondre après leur présentation. Oui, avancer en fait, dans la réponse. En fait, tout est possible. Hein. Après, ça dépend d'une question de temps, d'argent. Je rappelle que le projet se termine quand même à la fin de l'année et que nous, on a déjà une feuille de route assez chargée. Mais si après, effectivement, c'est une priorité qui est définie par le COMEX, elle se fera au détriment d'autres priorités et on peut l'envisager. Après, sous quelle forme, effectivement, ça reste à construire. On est parti sur des stand-off, on l'a vu ce matin, pour tous les enrichissements existants. Alors peut-être sous cette forme-là, reprendre effectivement cette forme-là pour agréger les choses autour du document en TEI, je ne sais pas, enfin, ou des métadonnées, à réfléchir. Oui, je trouve ce point particulièrement intéressant. Il pose la question plus générale de la composition des services qui sont offerts. Alors, on a vu plusieurs exposés, dont le vôtre, qui montrent des services, ici le clustering, des entités nommées, des relations de citation, etc. Et on a envie de combiner ça, d'avoir à la fois, comme vous l'indiquiez, les citations et le clustering, les entités nommées pour sélectionner éventuellement des corpus et du clustering, etc. Donc ça pose la question un peu plus générale de la composition des services, qui est une question qui est compliquée. Et je pense que c'est, du coup, je dirais que la question, elle doit être instruite un peu à deux niveaux. Est-ce qu'on veut faire quelque chose d'un peu ad hoc, juste pour la question que vous posez, les citations plus le clustering, ou bien dans une démarche un peu plus systématique. Mais ça nécessite que les outils qui sont développés comme le vôtre, ils aient une présentation qui soit très modulaire, c'est-à-dire qu'on puisse les décomposer pour isoler la partie qui est vraiment la partie traitement, du reste de l'habillage, de telle sorte qu'on puisse combiner, composer ces différents outils. Et ça dépend évidemment de, est-ce que ces outils sont des boîtes noires monolithiques et compliquées à décomposer, ou au contraire, est-ce que ça a été pensé en amont de manière... Pour la première partie de vos remarques, je pense que c'est pas à moi de répondre, c'est à toi, puisque elle voulait, c'est comment intégrer les données de tout le monde, justement, qui soient accessibles pour l'API. Sur la deuxième, quand je disais qu'on avait travaillé de manière pro, enfin, prod en production, c'est-à-dire que on s'est dit, il y a des données qui ne sont actuellement pas accessibles dans les métadonnées, mais qui pourront être accessibles peut-être dans 6 mois ou dans 1 an. Donc, c'est plein de petits modules. Donc, le jour où il y aura une nouvelle donnée qui sera disponible sur l'API, il suffit dans le parseur qui parse ce que renvoie l'API, d'isoler ce module et de dire c'est un nouveau type et ça sera rajouté là, tout simplement. Ça sera rajouté là, plutôt que d'avoir, par exemple, ici, c'est là. Auteur affiliation, etc. S'il y a un nouveau type de données qui arrivera, il sera là, dans la liste, et on pourra lui déterminer son poids. Donc, c'est complètement évolutif. On l'a fait en se disant, nous, on peut partir, on livre. S'il y a vraiment quelqu'un qui met le nez dans notre code, il y a du code, c'est proprement fait, il y a la doc, etc. Si jamais ils veulent vraiment l'utiliser et rajouter pour que ça puisse être évolutif, c'est fait dans cet esprit-là, justement. C'est dans ce sens-là que je disais qu'on l'avait fait de manière en production. On s'est pas fait notre truc juste pour faire les évals et faire une publi. Et ça demande justement beaucoup plus de boulot de le faire comme ça que de le faire qu'en système recherche, quoi. Alors concernant les enrichissements, comme on l'a vu ce matin, tous les enrichissements qui sont réalisés à l'INIST sont reversés dans la plateforme actuellement, sous forme de stand-off. Donc les enrichissements qui sont faits par des partenaires ou à travers des chantiers d'usage ont vocation aussi à se retrouver dans la plateforme sous forme d'enrichissement. Reste à définir effectivement le workflow et le format des échanges. Ce qui est simple à dire, mais assez compliqué à faire. Effectivement, il y a deux visions. Il y a soit la vision donnée, donc les données sont précalculées et elles sont réutilisables, ou une vision plus dynamique, c'est celle que j'avais en tête en fait au moment où j'ai répondu. C'est-à-dire qu'on a des outils qui sont conçus de manière préalable, de façon à être combinables, et c'est l'utilisateur ou un intermédiaire qui va concevoir l'application. En combinant ces modules en workflow, qui ensuite va exécuter, et effectivement les données passeront de façon dynamique de l'un à l'autre. Et là, on est dans un truc plus ambitieux. Effectivement, c'est la vision open-minded. Mais nous, pour l'instant, on est parti plutôt sur la vision consolidation des données, avec des enrichissements, des choses comme ça. L'autre vision dont tu parles, effectivement, open-minded, où il y a un enchaînement d'outils préexistants et tout, à l'heure actuelle, on en est assez loin.
c'est qu'on revienne sur cette question dans la discussion qu'on aura à la fin du séminaire, dans la mesure où on va avoir à fournir des priorités aussi sur ce qu'on va faire dans ISTEX 2, s'il y a un ISTEX 2 et comme on l'espère tous. Donc, est-ce que c'est rajouter des outils ad hoc supplémentaires ou bien est-ce que c'est prévoir l'intégration déjà de l'existant? C'est une question qu'il faudra qu'on se pose en termes de priorité pour la suite. Oui, bonjour. Pierre-Yves Varnoux du pôle Othello qui porte aussi un projet d'usage. Je trouve votre implémentation super réussie et très intéressante. J'ai deux questions. La première, c'est combien de résultats vous traitez par rapport à une requête que vous envoyez? Et deuxièmement, par rapport à une recherche donnée, est-ce que vous avez pu comparer la pertinence des clusters que vous aviez avec éventuellement une recherche manuelle, je veux dire, en termes humaines de recherche et de sélection? La réponse, elle est là. Ça fait partie du tableau de commande où tu peux en demander 20 ou plus. Comme sur Google, hein, tu peux demander 10, 20, 30, 100. Donc là, tu en demandes un certain nombre. Et la deuxième réponse, c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur le système d'évaluation. On a développé un système d'évaluation qui permet, par exemple, là, il n'est pas sur cette version-là, mais dire, bah voilà, j'ai fait une requête, voilà ce qu'il me donne aujourd'hui. Donc j'enregistre, ici, c'est sur la gauche. En fait ça, ça y est pas là, mais ça se situe sur la gauche. Je dis, j'enregistre le cluster qu'il me donne là. Donc je sais que dans telle combinaison, avec tel poids sur les arcs, en utilisant les auteurs ou pas les auteurs, telle méta-information qui me sont données ou pas, ça me donne tel type de cluster. Et j'enregistre tout, la configuration, les requêtes, ce que j'ai reçu, la date, l'heure et tout, je peux l'enregistrer. Donc je peux rejouer la même chose. Après, je peux re-régler. Nous, on l'a fait pour nous, ça. Hein. Je peux re-régler et je peux voir ce que ça donne. Mais entre deux clusters, c'est qui le meilleur ? Donc on a fait un système où on dit on veut pouvoir comparer ça pour voir quelle est la meilleure des méthodes qu'on met au point par rapport à c'est quoi le bon cluster. Et bien c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile d'aller évaluer un cluster où tu as de la physique nucléaire, de la physique je ne sais plus quoi, des solides, tu as de la médecine, tu as de la biologie. Si tu fais radar, tu as plein de trucs comme ça. Ou moi quand je vais le lire, ben, bon, je comprends à... comprendre de quoi il parle, mais je ne suis pas spécialiste et je ne sais même pas si un spécialiste il serait, mais même moi en TAL, des fois, j'ai envie de mettre quelque chose dans les trucs de graphes, d'autres dans l'apprentissage du langage, d'autres dans la reconnaissance. Le clustering, c'est difficile. C'est difficile. Donc je pense qu'il faut... Quand j'étais dans le projet Quaero, ils avaient fait une équipe qui était spécialisée pour faire l'évaluation. Ils avaient fait des requêtes polysémiques exprès. Ils avaient fait un clustering. Ils avaient demandé à des spécialistes d'aller les classer, etc. Et nous, après, on avait un type de moteur de recherche qui était moins évolué que ça, parce qu'il avait plusieurs années, mais c'était le même principe qu'on voulait appliquer. Et par contre, ce qui avait été montré, c'est que ça faisait gagner 30% d'efficacité sur un moteur de recherche normal. Et ça, ce n'était pas nous qui avons évolué notre système, c'était évalué par une autre équipe Quaero. Donc on n'était pas suspecté de... Tout ce que je peux dire après, si je te donne les résultats des évaluations avec le système d'évaluation qu'on a fait, on en a fait 40, on a sur 40 requêtes, et ça nous paraissait plutôt bien, mais je n'ai pas d'autres arguments que ça me paraissait plutôt bien. On va être obligé de s'arrêter là pour. Soit on passait notre temps à évaluer, soit on avançait quoi. On va être obligé j'avais une de dernière s'arrêter. Petite je question. Je retiens simplement le fait qu'il faudra qu'on revienne sur ces aspects-là pour, comme je disais, donner des priorités sur une suite d'ISTEX. Et l'évaluation fait aussi partie d'une première priorité. Dans un premier temps, on a demandé pour des projets qui étaient généralistes comme celui que Bruno vous a présenté, de mettre l'accent sur le développement d'outils. Maintenant, il faut les faire évaluer par des communautés scientifiques, ce qui n'est pas fait et qui coûte aussi du temps et de l'argent.